crois que le gouvernement, à cette époque, avait lancé une opération de lynchage contre les fonctionnaires qui étaient sans défense. Et ce sont des fonctionnaires aujourd'hui qui ont eu droit à la justice et ils se sont défendus. Et leur cause a été entendue. Et donc ça, c'est la première leçon pour le Parlement. Je souhaite que la liberté de la parole, l'immunité parlementaire soit revue à l'intérieur du Parlement. Surtout maintenant, encore plus, qu'on a accès direct au public broadcast updates. Ça aurait pu tuer pas mal de personnes. Ces gens ont souffert. Deuxièmement, la classe politique. Je pense qu'une décision, une fois que ce soit prise au niveau de la classe politique, les dirigeants, they have got to walk the talk and stand by their decision. Il y a eu, à un certain moment, pression populaire et la classe politique a carrément laissé ces deux fonctionnaires en pâture. Donc la classe politique devrait apprendre de ceci.